Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Donc un petit peu spécial vu qu'en fait j'ai déjà tourné un épisode de Ghost Recon qui a fait planter le PC. Donc, mais alors littéralement, hein, j'ai dû couper et redémarrer le PC, ce qui a fait une belle frayeur pour le coup. Mais du coup la vidéo enregistrée ne fonctionne pas malheureusement. Par conséquent, je vais faire un épisode qui sera un peu plus court. Vous voyez que j'avais fait de l'exploration à la base. Mais du coup, on prendra pas d'hélicoptère pour quelques temps, au moins jusqu'à la prochaine mise à jour. Vu que, en fait, j'avais pu remarquer déjà que quand je prenais un hélicoptère, il y avait une espèce de dégâts de choc qui se créait tout seul. Il y avait un bruit de choc, etc. etc., etc. Du coup, j'ai des doutes. Je pense véritablement que le problème vient de l'hélico. Par conséquent, je vais pas en prendre un tout de suite. Je vais juste revenir sur. D'accord. Allumez la radio. Et donc on va aller rechercher une arme là-bas, chers amis. Je sais pas si vous avez le temps de le voir. Il est possible que non. Cette arme, c'est un sniper. Apparemment, le sniper qui détiendrait le record du plus long tir, en fait, tout simplement. Par contre, cette moto est vraiment lente. Hein, je veux pas dire, mais là, pour le coup. Et cette moto a un frein à main. C'est intéressant. Je dirais plus que ça s'appelle un frein à pied ce niveau-là, mais enfin bon, et pourquoi pas. Hein. Je rêve où il s'est redressé tout seul. Quand il a vu la pente. Je me trompe pas, hein. Oula, par contre, il y a du monde dans le coin. Enfin, c'est marrant, il y a du monde. Sauf là où j'ai envie d'aller. Moi, en soi, ça me dérange pas. Hein. Moi, je vais aller dans le fond. Moi. Tape dans le fond, je suis pas ta mère, hein, comme on dit. Ah merde, et pourquoi tu veux aller absolument dans les poteaux? Merde, le mec, mon personnage joue à Koh-Lanta, il veut aller absolument dans les poteaux. Ok. Bah la surveillez pas l'arme, hein, y'a pas de soucis. No soucis, mans. Hélico de Lungida en patrouille, attention. Regardez par là, une caisse d'armement. C'est bon, tout va bien. Ok, je prends. Ah ouais, ça je prends. Ah ouais, ça me plaît aussi, tu vois. Non, rien de rien. Oh. Ah par contre oui, il a pas de... Pour le moment j'ai pas de... Bush, silencieux. George W. Bush. Canon, je peux pas mettre un canon long. Oh merde. J'ai pas d'armement différent pour ça. Grosse d'usine, ok. Bon, bah écoute. T'es un peu stock hein, mais... Écoute, je veux bien tenter un tir. Ouais, il y a des tentes que des partout. Baissez vos armes. Il est désigné, par contre, il est à peu près des civils. Ok. Il va me falloir une meilleure lunette si je veux faire quelque chose avec ça, par contre. Putain, j'ai eu un doute à propos du silencieux. Fâche, il fait un bruit de malade. Bougez, restez pas devant. Merde, la musique. Bah si vous croyez, oui que ça va. Ok. Salut les mecs, la forme. Ok. Ah bah c'est bon. Ah non, il en reste encore un dans le coin, un ou deux dans le coin. Sans doute dans la maison. Non, parce qu'il semble apparemment être en train de courir. Ah voilà, ça doit être lui. Par contre... Alors, regardez ça. Personne ne le voit. Hashtag camouflage. Du coup, roue des ordres. Est-ce que je peux demander un petit tir de mortier, genre exactement là? Civil tué. Tu vas te calmer, moi je dis, hein. Alors par contre, si vous m'avez repéré suite à ça, non. Voilà. En tout cas, il a l'air de, quand il frappe, il a l'air d'être extrêmement douloureux. Merde.
reçoit du renfort. Access denied. Dernière position. What? Je devrais la tirer encore plus loin. Ok, problème résolu. C'est nettoyé. Les mecs, vous êtes pas utiles, hein. Je veux pas dire, mais... Hop, le carburant, il est à moi. Donc du coup, l'épisode sera un peu plus court, chers amis, je suis désolé. Mais du coup, je vais avoir moins de temps, quoi, tout simplement. C'est bête. Oh, on va prendre le méga véhicule de la mort. On va d'abord prendre ça. Non, c'est pas ça. Apparemment, c'est à l'intérieur. C'est les poubelles. Oh mon dieu, je dois prendre les poubelles. Ok, non, c'est des médicaments, c'est pas des poubelles. Oh mais merde, vous êtes nombreux à venir, hein, c'est chiant. Quoi? Ah bon? Pousse-toi! Merde, je les ai loupés. Ennemi à terre. C'est bon, ça va, vous tenez le coup? Ouais, tout va bien, Imhotep, hein, comme on dit. Imhotep, bon, ça c'est fait. Ici nous avons quoi? De la bouffe, je prends la bouffe. Je prends la bouffe. J'ai besoin de munitions aussi, ce serait pas mal. J'ai beaucoup chanté dans le présent épisode, alors attention, je suis dans une... Je suis d'humeur chantante. D'accord, ok, bon, bonjour. Je prends... ça c'est pas une médaille, c'est pas un level up, c'est une médaille bonus. Oh, j'ai une grenade en plus, cool. Cool, cool, cool. Regardez, 4 grenades frag. Génial. Ah, ça m'en fait 2 d'ailleurs en plus. Oui, je sais ce que c'est qu'une médaille, merci quand même, merde. Ah la vache, il faut que je débloque la... Oui, d'accord, oui. Oui. Attendez, est-ce que ça veut dire que celles que j'ai ne sont pas débloquées du tout? Normalement si, ça marche. Oui, le débloquer, c'est pas le premier point, j'imagine, on est d'accord. Où est-ce qu'elles sont les grenades matérielles? Ça doit être ça. Ajoute 2 grenades bonus. Bah, ça doit être... Oui, c'est ça, parce que j'avais 3 grenades max au grade suivant, vous voyez. Donc si je prends ça, imaginons, crac. Voilà. Là, j'en ai 5. Voilà, c'est ça, ouais, c'était bon. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Parfait, parfait. Je suis désolé, ça je l'avais... Ah! Ah ah ah. Ça, je suis persuadé de l'avoir fait. C'est pas grave. On va regarder quand même les différentes armes qu'on peut trouver. D'accord. Compensateur, réduit le recul, incompatible avec les silencieux, oui, forcément. L'humain inconnu, oui, forcément. Oh là, j'ai vu une arme. Là, c'est quoi? Une poignée V4. D'accord. Ça, c'est quoi? R5 RGP. Intéressant, visuellement ça a de la gueule. Compensateur, ok, d'accord, une bouche, un autre. Point de compétence, ok. Alors il n'y a pas l'air d'y avoir des masses d'action, des masses d'histoire même je dirais dans cette région. Vous voyez, il n'y a rien en fait, t'as l'histoire. Donc du coup c'est un peu plus intéressant pour aller farmer tous ces petits compos. Est-ce qu'il est pour autant intéressant de passer par là? Ouais, on va peut-être aller passer par là vite fait. Montez. Allons-y. Donc je prends l'autoroute, je sors sur l'autoroute, je montre et j'attends d'aller jusque là-bas. D'accord. C'est que ça? Un camion. Non, tu peux t'arrêter à l'espèce de radio. Voilà, bon, tu veux pas monter, tant pis pour ta gueule. Je t'ai proposé de monter, hein, fais pas chier. Ok. Ah oui, c'est vachement haut en fait, donc j'ai peut-être pas pris le bon véhicule finalement, parce qu'elle a pas l'air... Je croyais que c'est une voiture de sport, mais en fait elle en a que la gueule et pas le... Putain, ils sont juste là. Feu. Reçu. J'engage l'ennemi. Allez, tire. Voiture d'escorte détruite. Ok. Pousse-toi, je veux pas tuer de civil. Véhicule d'escorte détruit. Allez. J'ai eu. Ok, il en reste plus qu'un. On est au calme. Ok, il s'est rendu.
baliser le matériel avant qu'il explose. Voilà. Viens par là. Hop, parfait. On va t'emmener avec nous, j'espère que t'as compris. Allez, tu grimpes. Qu'est-ce qu'il dit con? Permettez, je grimpe, merci. Voilà. Ouais, on se retrouve plus tard, y'a pas de soucis, je fais juste une petite balade avec un... avec un poteau. C'est un poteau, pousse-toi. Ah bah oui, bah... Mais non, mais faut bon, t'es débile aussi, hein. Alors, c'est à quelle route? C'est quelle route? C'est celle après la ground route. C'est celle après la ground route. Ça fait très anglais quand je parle comme ça. C'était juste celle-là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Waouh, 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 chica, waouh, waouh. J'ai toujours un copain avec moi quand je me déplace. C'était un peu plus. J'ai pas de klaxon. Merde, je veux pas de radio, moi, excuse-toi. Poussez-vous, c'est pas un chemin pour les pétons. Si, tant pis. En tout cas, j'ai le bon véhicule. Pente à 90. Ah, par contre, une fois que je quitte la route, c'est plus bon. Allez, 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 4 roues motrices. Fuck it. Mais qui sont... Vous pouvez pas faire une ligne droite? Merde. Ah, je m'en doutais que ça allait finir sur un virage comme ça. Bonjour. Le mec, il est pas effrayé une seule demi-seconde, hein. Des voitures, j'en vois souvent passer cette route-là, mais habituellement, elles n'attaquent pas. C'est pas le genre de bestiole qui soit violent, habituellement, donc ça devrait passer. Question, si je le ramène avec des potes, vous croyez qu'ils commencent à m'attaquer? Allez, grimpe, 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 grimpe! Oh merde, je crois que j'arrive aux limites de la puissance de la voiture et de la physique du jeu, au passage. Hein, parce que là, ah ça y est, là, elle va accélérer comme une brute, voilà. Hashtag j'ai consommé 8000 litres au 100 là pour le coup là. Mon réservoir est illimité. Heureusement. Non. Non. Merde. T'amuses pas avec les détenus. J'ai été grillé aussi sec. Comment se fait-ce? Comment puis-je avoir été grillé aussi sec? Bon, où est le... Hein? Là. Oh, bonus de vitesse supplémentaire. Oh, intéressant. Intéressant, pardon. Non, c'est... Je bug. Y'a bug. Attention, une fois qu'on sort d'un truc comme ça, attention, allons-y lentement. Moi, c'est en faisant un téléportation, puis un hélicoptère que ça a bugué. Je ne referai pas la même erreur. Je suis full. Full aux as par les rois. Il n'y a jamais de moto rouge, c'est nul. Où sont les fans? Je sais, normalement c'est les femmes, hein, mais bon. Ouais, bah vous me rejoindrez plus tard, mais le plus tôt sera le mieux. Moi. Tayo! Merde, je croyais que la route était. Ah putain, poteau! Non, c'est bon. Ok. Il y avait une rampe là. Oula! Oulala, oulala! C'est dangereux par là! T'es sérieux, bonhomme? T'es un snipe? Le drone a décollé. Putain, c'est un snipe! Je vois une troisième cible. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. La 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 la. Ils ont l'air un petit peu au taquet dans le coin, je veux pas dire, hein, mais... Ok... Ok... Je vois personne d'ici. Par contre, je peux peut-être avoir... Te
Los Sicarios. Là, près du conteneur. Il fait quand même vache. Bonjour l'intel qui arrive de nulle part. Il fait quand même vachement de bien quand il tire, hein, je veux pas dire, mais... Oh là là. Ah, que je l'aime, ce snipe. Profil bas. Oui. Effectivement, je vois qu'il y a quelqu'un en haut. Pas dans ma direction. Merde, je crois qu'il y a un de ses potes qui arrive. Chut. Oh le pauvre. Il est là, il est dedans ou il est dehors en fait, ça la vraie question. C'est ce que les fils posent aussi quand bref. Recule, mais recule quoi. Merde, je suis pas avec les bonnes. Rien, j'aurais dû l'attaquer, je crois qu'il pas. Ok, ok, on s'en sort. Soit je pars, c'est bon. Ici avec des réponses, soit c'est avec des oreilles. À toi de choisir. Avec tes oreilles, carrément. Opération Rebelle. Okay. Dak, merci. Au revoir. Merde, oui c'est vrai qu'il me voit, oui. Faut pas que tu joues au con Marcus, c'est vrai qu'il te voit. Dépêche-toi ! Engagez les cibles. Ça se fight un petit peu, j'ai l'impression. Ce qui est plus ou moins une bonne chose pour nous, on va pas récupérer tout le matos. Le snipe est revenu. Apparemment non. Pilibi, pilibi, pilibi. Merde, merde, Marcus, c'est pas le bon choix que t'as. Oh la vache, l'unidad ils font tellement mal. L'unidad ils font tellement mal. C'est incroyable. C'est le cauchemar du jeu en fait, l'unidad, littéralement. C'est ceux auxquels on n'est pas censé se frotter, à mon avis. Oh là 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 là. Ces mecs-là, ils sont au taquet. Je cherche mais pas au bon endroit. On arrive à 5.
Oh la vache, j'ai été mauvais sur les deux tirs. Waouh! Je l'ai tué avec le rebond de l'hélicoptère. What the fuck, man? Ok. Enemiga detectada! Fou. Allez, venez voir papa. On reste plus que deux, il y a deux véhicules qui viennent, je fais quoi? J'en tue deux avec une seule, effectivement. C'est une solution. Wouh! Bah ce coin-là, il est sympa, dis donc, finalement. Phew. Allez, on bouge. On bouge, on bouge, on bouge. Il fait presque bien, l'hélicoptère, finalement. Des munitions. Ça peut être intéressant si on se refait agresser par la même équipe. Ok. Question. Il y a vraiment un... Ah oui, mais il est pas... Il roulera pas avec ça. Elle va marcher beaucoup moins bien, comme on dit. Ok, bon. On se bouge le cul. On se bouge le cul. Il y a peut-être un véhicule dans le coin. D'accord. Tous dans le van. Tous dans le van, tous dans le van, tous dans le van. Non, tais-toi avec ta cocaïne. Ok. On est bon. On est absolument très très bon. Donc là, il doit y avoir une mission. Il y a encore un mec. Je rentrerai bien à la base et on va mettre fin à l'épisode ici, Jérémy. On va voir ce qui va nous arriver sur le chemin. Je pense qu'on va tomber sur une INAD, donc restez jusqu'au bout. Je pense que ça peut être rigolo. Surtout dans un véhicule pareil, quoi. Pour être tout à fait honnête. Ils sont là ou pas? Apparemment, ils sont là. Ils ont pas de fenêtre. Donc si je fais ça... Ouais, feu à volonté. Compris. Il est tout seul, ok, c'est cool. Ok. Bon. Radio Rebelle, effectivement, ouais, on a une mission ici, on a même un intel. L'intel, je pense qu'on le prendra à la prochaine session. Crac. Site de parachutage. Oh. C'est là? Non, on les met la radio. Non, il est là. D'accord. Repérage. Amélioration d'appui. D'accord. Réduit le délai de l'entrelisation de l'utilisation de la repérage. D'accord, ok. Grosso modo, en fait, on peut réduire le délai entre l'utilisation de telles compétences et le reste de l'appui. Ah, c'est peut-être un petit peu ça qui est dommage, c'est... Il y aurait plusieurs groupes, je dirais oui, effectivement, on doit réduire, parce que bon, voilà, on n'améliore pas la... Pardon les filles, excusez-moi. Oh pardon, t'es pas une fille. Je vais pas te bouffer non plus, hein, merde. Ok, donc voilà les amis, écoutez, finalement, je m'attendais à ce qu'on ait des gens, mais en fait, on a tombé sur personne. Donc, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop !